Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du Varanus exanthematicus, c'est parti. Donc là voici mon premier reptile, donc mon Varanus exanthematicus, donc il s'appelle Drogo. Je l'ai acheté à Reptilis en juillet 2016, donc c'est de l'import WC. Donc là il va sur ses 11 mois, donc comme vous pouvez le voir il est plutôt cool, surtout pour un Varanus exanthematicus de cette taille. Là il y a un peu la dalle parce que j'ai fait décongeler du poussin et du rat, donc de la souris pardon, donc il réclame un peu. Donc là il est en pleine mue. Donc je voulais faire cette vidéo tout simplement pour un peu vous dire mon ressenti donc, sur cette espèce. Donc c'est une superbe espèce. Mais à l'heure actuelle pour moi il y a beaucoup de personnes qui négligent la place pour cette espèce et qui ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'il y a eu une mode en 2016, c'est je veux du varan. Et ça continue. Comme avec le Tribolonotus gracilis. En ce moment c'est la folie. Et malheureusement il y en a beaucoup qui commencent déjà à les revendre. Donc c'est vraiment dommage. Mais ça j'en parlerai plus tard. Donc pour mon Varanus... Pour Drogo, moi quand je l'ai eu, il faisait... Vas-y, sors du champ. Donc je vais continuer la vidéo seul les amis, parce que là il y en avait un peu ras-le-bol, il avait envie de prendre la chaleur, donc je laisse tranquille. Même si la pièce est à 25, voilà, il a pas envie, c'est comme ça. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans son terrarium, vous dire un peu les températures que je fais pour lui, donc pour son maintien. Et un peu tout ce qui m'est arrivé avec mon varan pendant quasiment 10 mois. Donc il en a vu de toutes les couleurs, entre guillemets. Donc quand je l'ai eu, il faisait 12-13 cm. Donc un Reptilis à Godvarsveld, ça doit se prononcer comme ça. Donc franchement, top, super accueil, tout est propre. Franchement, j'étais étonné parce que quand on se dit un centre d'élevage, il y a quand même beaucoup de reptiles, beaucoup de pontes, beaucoup de juvéniles. On se dit ouais ça va pas forcément être clean. Et ben franchement vous seriez étonné, c'est super propre. Franchement donc je le dis, Stéphane Rossel, super. Que ce soit Nicolas Hussard, Stéphane Rossel, franchement si vous devez acheter un reptile, je fais pas de la pub, hein, je dis vraiment mon ressenti. Hein, vous allez à Reptilis ou Reptiligne. Franchement rien à dire. Donc voilà, donc quand j'ai eu il faisait 12 cm. Il avait un léger reflet bleuté à la lampe. Donc je me suis dit c'est celui-là, c'est pas un autre, pourtant il y en avait quoi, il y en avait une quarantaine dans le bac, j'ai choisi celui-là. Je l'ai mis directement dans un terrarium d'1m50 de long par 60 de profondeur, 60 de hauteur, donc pour un juvénile comme ça, quand j'y repense, c'était quand même très très grand. Mais ça s'est plutôt bien passé. Pendant 2 mois et demi, quand je vous dis il m'a fait un peu la misère, c'est plus dans le sens où il avait très peur de moi. En même temps, quand vous avez un petit varan qui est comme ça, vous êtes plus grand que lui, etc., ça fait bizarre. Donc moi, je l'avais mis à hauteur de chaise exprès. Donc comme ça, j'ai passé pendant 2 mois et demi, tous les jours, minimum 1 heure, devant le terrarium. Donc pas forcément à m'occuper de lui, hein. Je regardais la télé ou autre. Mais en fait, il s'est habitué à ma présence comme ça. Donc, et petit à petit, j'ouvrais la vitre. Parce qu'on était en été, donc je me permettais d'ouvrir la vitre. Et j'ouvrais la vitre des fois complètement, aucune réaction. Donc en fait, il s'habitue à ma présence, j'étais pas une menace. Et du jour au lendemain, bah, il m'a accepté. Donc tout simplement, il avait ouais, 4 mois et demi et il avait encore un bout de mue sur le dos. Et moi, j'aime pas la manipulation forcée, c'est un truc que j'aime pas. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai horreur de ça. Là, je dois le faire en ce moment avec ma téju de temps en temps, je déteste ça. Franchement, parce qu'ils ont pas envie. Malheureusement, quand vous avez un spécimen qui est agressif, vous avez pas trop le choix des fois. Donc il faut vraiment éviter au maximum. Donc moi, avec mon varan, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai frotté le haut de son dos avec un coton-tige. Et là, aucune réaction, alors que la veille, il fouettait encore de la queue. Donc pour 4 mois et demi, vous me direz, c'est normal. Et là, je me suis dit, on va aller plus loin. J'ai commencé à lui caresser la tête avec ma main. Aucune réaction, cool. Certes, encore un peu sur le qui-vive, mais ça allait. Et ensuite, j'ai commencé à lui enlever un bout de calcium. Il y avait un peu de calcium sur la bouche, à lui faire ça. Il n'a rien dit. J'ai dit, bah c'est super. J'étais vraiment content, parce que quand vous passez 2 mois et demi, que vous vous remettez en question, vous vous dites, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que franchement, quand vous passez 1 heure à 2 heures, sur la journée avec votre varan et que vous voyez aucune amélioration, ça fait bizarre. Et là j'étais super content, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué petit à petit à le désensibiliser. Et là, comme vous avez pu le voir juste avant, il est cool. Là je vais encore vous le montrer dans le terrarium, je peux rentrer dans le terrarium sans problème, il ne va rien me dire, il ne souffle plus.
mis à part quand il y en a vraiment marre, qui a envie de rentrer ou de dormir. Parce que qu'est-ce qui dort? Le mien, c'est un fainéant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait beaucoup de problèmes de mue, je vais y revenir après. C'est un fainéant. Franchement, là, certes, on est un peu en période hivernale, mais il dort tout le temps. Il est très rarement, on va dire, actif en ce moment. Par contre, l'été, quand il fait bien bien chaud, là, je peux vous dire, il carbure. Donc, moi, je vais un peu vous parler de sa maintenance, de tout ce qui va avec. Donc, il y a pas mal de choses à voir avec vous. Et ensuite, par la suite, on fera aussi un petit nourrissage. Donc là, aujourd'hui, il va être nourri avec du poussin, des blattes du biote de mon élevage. Et peut-être des blattes cranifères, mais ça je filmerai hors vidéo parce que c'est quand même des blattes comme ça, donc ça, c'est assez énorme. Voilà, à tout de suite les amis. Donc comme je vous l'avais montré dans la vidéo Reptile Room, donc là il a un terrarium actuellement provisoire, je dis bien provisoire parce que c'est vraiment le terrarium qu'il va garder encore pendant allez, maximum 2 semaines. Donc il y aura vraiment un beau terrarium qui arrive bientôt, donc je vous le montrerai aussi dans une prochaine vidéo, il est vraiment énorme. Comme je vous l'ai dit, moi, que ça soit dans tous les terrariums que je fais, surtout pour les gros reptiles comme ça, Varanus exanthematicus, Salvator rufescens, je vise plus tard le parc. Vraiment un parc, soit un parc ou un énorme terrarium, parce que pour moi, c'est des espèces qui ont besoin de se dépenser, et pas de rester enfermées dans un terrarium. Pour moi, c'est pas bon pour eux, ils ont besoin d'enrichissement pour moi, parce que c'est des reptiles qui sont très intelligents et qui ont besoin vraiment de se dépenser au maximum. Donc pour son terrarium. Donc je vais pas vous redire, hein, c'était du bois, c'était de l'OSB. Donc les vides c'est du 5 mm. Donc le voilà. Alors on va parler du substrat. Le substrat, je suis repassé à la coco. Alors j'ai essayé tout, j'ai essayé du snake bedding, j'ai essayé de la tourbe. La tourbe je vous la déconseille, c'était rentré dans ses naseaux, il y a eu des problèmes de respiration à cause de ça. Donc évitez la tourbe, je dis bien la tourbe blonde, ne faites jamais ça. Après vous faites ce que vous voulez, mais ne faites jamais ça. Parce que honnêtement, quand je vois les problèmes qu'il y a eu, jamais. J'ai dû lui déboucher les naseaux. Donc là, je suis sur de la coco maintenant. Franchement, c'est le top. Ça retient bien l'humidité. Vous pouvez vraiment créer un point chaud et un point... une zone entre guillemets plus fraîche et plus humide que du point chaud. Donc, il est ici. Donc, vous voyez, il y a encore des petits problèmes de mue. Donc, il est assez coloré, hein, comme vous le voyez. Voilà. Donc il lui reste encore des petites mues enlevées, parce que vu que c'est un fainéant, il ne boit pas beaucoup. Vous voyez, en plus il est super cool. Vous voyez? Voilà. Donc là je lui ai mis une petite racine, là il a un petit pont, donc certes il est trop grand pour aller dedans, mais il y va quand même, il adore se cacher là. Une grosse pierre d'ardoise de chez Monsieur Bricolage, donc où vous pouvez trouver à Leroy Merlin ou à Castorama ou des choses comme ça. Ça retient bien la chaleur. Pour le point chaud, alors moi j'ai une Reptech 160 watts. Donc ça envoie pas mal d'UV, donc là c'est normal, avec les UV ça vrille un peu avec la caméra. Il a un point chaud avoisinant les entre 45 et 53 degrés. Donc vraiment une grosse température au point chaud, donc vraiment au backing spot, hein, je précise les amis, parce que croyez pas que c'est en zone chaude. Et la zone chaude, il est dans les alentours de 36 degrés. Sachant qu'en nature, la température entre guillemets idéale pour un Varanus exanthematicus est de 36 degrés 2 ou 8 je crois. Donc j'avais lu ça sur une thèse que j'avais trouvée sur internet, donc franchement elle était top. Le mec avait fait une thèse de 200-300 pages, il faudra que je la retrouve. Ici, un gros bac d'eau de 24 litres, donc pour qu'il puisse boire et éventuellement déféquer dedans, parce qu'il déteste faire ses besoins sur le substrat. Vous voyez, il est vraiment cool. Là, il sait que c'est le nourrissage, donc hop. Alors ici, bon, tu sors ou tu sors pas? Non? Non. Donc ici, je lui ai fait un gros terrier, hop, avec de la sphaigne et de l'écorce de pin. Donc c'est un gros terrier, c'est une grosse hoge que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Donc c'est une hoge qui fait, qui doit avoisiner les 50 litres, je crois, si je dis pas de bêtises. Un petit hygromètre ici. Donc là on est à 50% parce que entre guillemets, j'ai pas vaporisé et c'est déjà une bonne hygrométrie. Là, il fait sa petite vie. Voilà, il y a faim. Ici, une petite écorce de liège, donc ça je lui laisse, c'est vraiment provisoire la déco, parce que je sais que c'est pas son terrarium final, donc je ne voyais pas l'intérêt de faire une décoration de fou. Par contre, pour le prochain, il y aura vraiment une très grosse déco. Ici, un néon 90 cm Zomed, donc qui est très propre, donc il y a vraiment ce qu'il faut enlever. Là, vous voyez mon varan qui fait le con.
Hop. Là, c'est moi qui me coince le doigt. Hop. Vous voyez, il est vraiment cool. Donc, il fait 70 cm. C'est pour ça que beaucoup se rendent pas compte. Mais imaginez, il n'a même pas un an. C'est pour ça, arrêtez d'acheter du Varanus exanthematicus en ne sachant pas l'assumer. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Franchement, je ne supporte pas ça. Que ça soit sur le Varanus exanthematicus, le dragon d'eau, les iguanes. J'en ai ras-le-bol des abandons ou des personnes qui vendent ça comme si c'était juste des objets. Il y a un moment, quand vous achetez un animal, vous savez pourquoi vous l'achetez. C'est pas pour faire le cake sur internet en disant « Oh, j'ai du Varanus exanthematicus », comme certains. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais c'est le genre de choses qui m'énerve un peu. Donc voilà, on va se retrouver pour le nourrissage. Donc là, je vous ai fait vraiment une petite présentation vite fait, parce que je l'avais déjà fait dans le Reptile Room. Donc là, je vais le nourrir. Je vais vous montrer tout ça. Je nourris les blattes dubia dans le terrarium, parce que le varan... Blattes dubia. Je nourris avec les blattes dans le terrarium parce que tout simplement j'ai pas envie d'avoir une évasion, sachant que c'est des blattes d'élevage, donc c'est de mon élevage, elles sont toutes pleines. Pour finir la vidéo, je voulais juste vous dire que c'était pas une fiche d'élevage que je faisais, c'était juste pas des conseils non plus, c'était je vous montre juste ce que je fais moi comme maintien pour mon Varanus exanthematicus, ce qui marche pour moi. Ça peut très bien ne pas marcher sur vous, ou vous avez peut-être une autre méthode. Dans tous les cas, pour une espèce, il y a plusieurs méthodes. Donc moi, au niveau des températures, je dirais zone chaude entre 35, 37, voire 38, je suis déjà monté à 39, il n'y a aucun souci. Un point chaud avoisinant les minimum 45, on va dire 55 maxi. Par contre, si vous avez il faut un gradient thermique. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'ai en zone fraîche. Donc dans le terrier, je vais avoir entre 22 et 23. Et en zone froide, on va dire, je vais être à 25 maxi. Donc voilà, comme ça, il y a vraiment une zone très chaude et une zone fraîche. Le mien a la possibilité de sortir de temps en temps. Je le fais de plus en plus. Vu que son terrarium est au sol, je le laisse à sa guise sortir... Vu qu'il y a une bonne température de pièce, je le laisse sortir s'il a envie, si vraiment il demande. Il fait rarement maintenant dans le terrarium, il fait surtout dans la baignoire. Donc ce qui est plutôt agréable en soi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nettoyage et le substrat reste toujours propre. Concernant l'alimentation, donc ça pareil, c'est un sujet qui fait beaucoup débat, on entend de tout. C'est insectivore, etc., etc. En nature, ça mange de tout. C'est opportuniste. Donc moi je vous dirais, au niveau de son alimentation, je nourris... Avec des blattes au niveau des insectes, blattes dubia, blattes cranifères, criquets, grillons jamais, vers de morio, je vais nourrir aussi des yules de temps en temps, vraiment de temps en temps. Ensuite, rongeur, généralement, il a le droit une fois par semaine à une souris de 19 à 24 grammes, donc congelée bien sûr, un poussin par semaine. Il a aussi de temps en temps des œufs de caille, il va avoir aussi des fruits de mer. Vraiment limité là-dessus, mais voilà, c'est vraiment très varié. Il y a une alimentation qui est très variée, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il n'est pas gros, voilà, il a une alimentation qui est variée, généralement je lui donne à manger un jour sur deux,
Donc généralement, ça va être lundi, mercredi, vendredi, dimanche, et ainsi de suite, on fait le cycle. Des fois, ça peut arriver qu'il n'a pas mangé pendant 2 jours, selon le repas que je lui ai donné. Généralement, j'essaye d'avoir qu'il ait un repas équilibré. Donc là, par exemple, il y a eu du poussin, il y a eu des blattes du bien, des blattes crânifères. Sûrement dans la semaine, il aura des criquets avec sûrement un rongeur et peut-être du cœur de bœuf. J'essaye de varier au maximum. Donc vraiment, j'aime pas quand c'est obèse, parce que c'est des espèces qui sont très très belles à observer, mais qu'il faut vraiment qu'elles restent assez sveltes. Qu'est-ce que j'ai dû oublier? Donc oui, le terrarium adulte, franchement, et là je le dis clairement, faites attention. Prenez le temps de réfléchir quand vous voulez acquérir un Varanus exanthematicus. Parce que ça nécessite, certes, vous avez payé ça 35 euros, même pas, des fois vous allez en trouver à 25 en Belgique. Mais à côté de ça, il y a la nourriture qui est conséquente. Rien que pour mon Varanus exanthematicus et ma Salvator rufescens, j'en ai pour 50 euros. Vraiment 50 euros, je précise, c'est parce que je suis encore en train de faire mon élevage du bio. Mais si j'avais pas d'élevage du bio, mais je serais, mais beaucoup plus que ça. C'est des reptiles qui mangent beaucoup. Après, bien sûr, si vous voulez les nourrir qu'avec que des dubias, ça va pas vous revenir trop cher non plus. Mais malheureusement, quel intérêt de les nourrir avec les mêmes proies? Vous allez avoir une croissance qui va pas être terrible, un animal qui va pas prendre goût à ce qu'il mange. Donc moi, je préfère varier. Donc pour le terrarium adulte, prévoyez, mais vraiment, c'est minimum, c'est 1,80 m, au moins 80-90 de profondeur, la hauteur, peu importe. Mais si il sort pas de son terrarium, moi j'ai pour but de laisser ma Salvator rufescens et mon Varanus exanthematicus, pardon, pas en même temps, mais les laisser par exemple tous les jours une demi-heure, pouvoir sortir s'ils ont envie, bien sûr s'ils ont envie. Mais voilà, pour moi c'est le but. Ces reptiles-là ont pas besoin de rester qu'en terrarium, donc c'est mon avis. Vous la partagez pas, c'est pas grave. On a tous des avis différents. Maintenant je vous donne le mien. Donc ce que je fais, ça m'est propre. Donc c'est ce que je dis dans toutes les vidéos que je fais depuis le début. Ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, tant pis. C'est comme ça. Donc, je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires positifs. La vidéo Reptile Room a atteint les 1000 vues, donc ce qui est pour moi énorme. Je ne m'attendais pas à avoir autant de vues, surtout pour une petite chaîne YouTube qui vient de démarrer. Je suis quasiment à 200 abonnés, donc je vous remercie de me suivre. La prochaine vidéo, ça sera sur le terrarium sous le lit, épisode 2. Donc, ça arrive prochainement aussi. On m'a demandé aussi une vidéo sur mon Salvator rufescens, donc ma petite téju, ma petite saloperie, je l'appelle, donc Dagmar. Donc, je donne des noms à tous mes reptiles, donc Dagmar tout simplement parce que c'est un nom scandinave, donc ça veut dire brillante comme le jour. Donc, vu qu'elle va être très rouge adulte, bah, je trouvais que ça sonnait plutôt bien. Je voulais aussi vous dire, quand vous prenez un reptile, regardez bien quelle taille adulte ça va faire, quel investissement il faudra pour ce reptile. Parce que je vais vous prendre mon Varanus exanthematicus. Vu sa taille qu'il fait déjà, je pense qu'il va dépasser le mètre facilement. Je ne le fais pas grossir vite pour qu'il grandisse, honnêtement je m'en fous. Il fait sa croissance comme il le souhaite. Depuis le début, il prend rapidement alors que je ne le nourris pas forcément énormément. Je nourris avec parcimonie, parce que les Varanus exanthematicus c'est à nourrir avec parcimonie, sinon vous avez des gros bibindomes. Pour ma Salvator rufescens, quand je l'ai achetée, je savais très bien qu'elle serait grande. Donc franchement, pour vous dire, elle est plus grande que mon Varanus exanthematicus alors qu'elle a un mois de moins, elle doit faire 60, 73-74 cm, ce qui est plutôt énorme pour son âge. Donc pour moi, elle fera pareil, 1,10 m, c'est même sûr. Franchement, j'en suis quasiment sûr vu la taille qu'elle fait déjà. Donc voilà, prenez le temps de choisir votre reptile, prenez un reptile que vous aimez, pas un reptile qu'on vous a dit ouais, il faut démarrer avec ça. Ça, c'est quelque chose que je déteste aussi. Vous pouvez démarrer avec n'importe quel reptile. Bien sûr, en étant bien renseigné sur l'espèce, en ayant parlé avec des éleveurs, pas en disant ouais je veux ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On se renseigne sur l'espèce avant de l'acquérir. Pareil, on prépare les installations avant d'acquérir l'espèce. Donc ça, je veux vraiment y revenir là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que c'est une espèce intéressante et j'ai peut-être oublié des choses, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Varanus exanthematicus. Qu'une vidéo c'est pas assez. Donc dans tous les cas, je ferai régulièrement pour chacune de mes espèces des petits suivis. Donc, au niveau du poids, de la taille. Mon Varanus, il doit faire dans les 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, je sais plus. Donc on verra pour la prochaine vidéo. Donc, la prochaine, ça sera d'ici quelques jours. Donc peut-être en début de semaine prochaine. Donc les amis, je vous dis à bientôt. Ça me fait plaisir tout ce qui se passe en ce moment, donc je vous remercie. À bientôt, la Squadrette.